Parfois accusés d'infliger un mauvais traitement à leurs patientes, les sages-femmes s'expliquent. Quand on pose des questions aux femmes, c'est en salle d'accouchement qu'ils viennent. Mais quand vous allez en consultation prénatale, à la vaccination, à la pesée, les propos sont différents. Pourquoi? Parce que là, les bébés, elles sont contentes. Elles sont enceintes, elles n'ont pas trop de contraintes. Mais dans la douleur, tous les petits gestes que tu vas poser, pour elles-mêmes sont bien, elles vont mal prendre ça. Souvent, c'est ce qui se passe. Chacune des sages-femmes vient à son éducation dans le métier. Ce n'est pas tout le monde qui prend le métier à cœur. Là, il faut le dire, dans tous les métiers, il y a toujours des bruits galeuses. Comment nous améliorons la qualité de nos soins? Vraiment, les femmes sont à l'aise. La sage-femme, comme son nom l'indique, doit être sage. Elle doit surveiller la grossesse, suivre l'évolution et gérer l'accouchement. Aujourd'hui, journée mondiale des sages-femmes, c'est l'occasion d'interpeller ces accoucheuses professionnelles sur le rôle primordial qu'elles ont à jouer dans l'exercice de leurs fonctions. Cette journée met en lumière ces travailleuses de l'ombre ainsi que leur rôle crucial dans la réduction de la mortalité maternelle.